Recherche scientifique, avoir un impact sur la vie de la population. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique vient de déterminer une stratégie qui profitera autant à la société qu'à la population. Dorénavant, les recherches universitaires seront focalisées sur la lutte contre la malnutrition, la promotion de l'agriculture, l'amélioration de la santé publique et de l'environnement et le renforcement des recherches liées au changement climatique d'après cette nouvelle stratégie. Selon les explications du ministre Monique Rassos-Ananir, l'objectif est d'appliquer les résultats des recherches pour améliorer la vie de la population. On ne s'en tiendra plus au stade de prototype, mais passera à la vulgarisation pour que chacun puisse en tirer profit. À titre d'exemple, un vaccin vétérinaire élaboré par Invavet et Fofifa devrait profiter à tout le monde. Les recherches scientifiques devraient être un levier du développement de Madagascar. La remise officielle des directives pour les quatre secteurs de recherche que le ministère de l'Enseignement supérieur juge prioritaire a eu lieu aujourd'hui à l'Académie Malagasy en Tsimbazaza.